Ça va aujourd'hui que vous avez l'impression de donner plus que vous recevez. Est-ce que tu te reconnais dans ça? Est-ce que tu pourrais gagner le prix du bénévole ou de la bénévole de l'année? Hein? Est-ce que tu es cette personne qui donnerait tout puis qui reçoit si peu en échange? Est-ce que c'est la même chose dans tes relations amoureuses? Est-ce que tu te sens injustement traité ou même trahi par ceux que tu aimes. Puis, tu fais tout pour eux autres. Tout, mais ils n'ont pas l'air de l'apprécier. Vous savez, je vais en parler dans la vidéo numéro 30, juste après. Le fait de donner plus que de recevoir, c'est un déséquilibre entre notre féminin et notre masculin. Hein? On est habité par le féminin et le masculin. Et de donner, c'est notre côté masculin. De recevoir, c'est notre côté féminin. Quand on donne beaucoup plus que l'on reçoit, c'est un déséquilibre de notre côté féminin, de notre côté masculin. Mais là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que quand on donne beaucoup plus que l'on reçoit, même si ça part d'une bonne intention, c'est principalement parce que l'amour qu'on envoie, elle est conditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une condition au bout de ça. C'est dire qu'on espère recevoir, pas nécessairement de l'argent ou un service, on espère recevoir de l'amour, de la considération, possiblement de l'importance, peut-être même de la reconnaissance en retour, mais on espère quelque chose en retour. Moi, j'ai mis du temps vraiment à comprendre cette notion d'amour inconditionnel. Là. C'est subtil, là. Tu sais, la marge entre les deux. Tu vois, je parle d'une bonne intention. Oui, mais la bonne intention, regardez la nuance. La différence de l'intention pour qu'elle soit inconditionnelle plutôt que conditionnelle, même si c'est complètement inconscient, il faut en prendre conscience pour pouvoir transformer ça, c'est que ce qu'on envoie dans l'univers, hein, on le sait, ça nous revient. Fait que quand ça revient puis que c'est insatisfaisant, souvent on se dit « Mais non, j'ai plein de poignards dans le dos, comment ça se fait? Je fais juste donner puis ça me revient contre moi. » Parce que l'énergie qui a été envoyée, même si c'était inconscient, elle n'était pas inconditionnelle. C'est parce que tu donnes en t'oubliant. Tu t'oublies au profit de l'autre. Même si tu n'attends rien en retour, quand tu donnes, donne-les parce que c'est ça que tu as besoin, c'est ça que tu veux pour te nourrir, c'est que ça te fait du bien à toi. Tu es déjà payé quand tu poses le geste, quand tu fais l'action. Donc, tu n'en attends absolument rien. Puis ça aussi, ça laisse l'autre libre, il n'y a pas d'attache, ça ne fait pas que l'autre se sent redevable. C'est souvent le cas, on passe les autres avant nous-mêmes, on va les considérer avant nous-mêmes. Puis, parce que c'est ça qu'on nous a enseigné, hein. C'est ça qu'on nous a démontré. Il faut réapprendre à mieux nous aimer, à s'accorder de l'importance, pour apprendre à mieux aimer l'autre et équilibrer ce féminin, ce masculin. Vous voulez apprendre à transformer ça, cette perception-là, et changer le fait, rééquilibrer dans le fond, hein? Changer le fait de donner sans recevoir. La vie nous envoie toujours ce qu'on envoie dans l'univers continuellement. Et vivre l'expérience de vivre le septième ciel, c'est là où on va voir en dessous qu'est-ce que ça cache pour aller vivre ce bien-être-là. Les portes ouvrent bientôt, c'est le 20 janvier, non, c'est dans 3 jours, c'est là, ça sera pas long. Demain,
Demain, je vais vous parler de ce que comporte justement cette pédagothérapie, parce que vivre le septième ciel, c'est une pédagothérapie. En attendant, je vais aller vous inviter à aller voir les liens que je vais mettre sous la vidéo pour regarder la vidéo de présentation et le webinaire pour plus de détails en ce qui concerne le septième ciel. Sur ce, ben moi, je vous dis bye bye. Je vous aime. Merci. Merci d'être là. À demain.